Ouais, c'est ça. Là, vous avez fait la démarche de vous-même, hein, de votre santé. Oui. Ah, vous étiez déjà suivi dans un autre santé. J'étais tout le premier signalement par rapport à la naissance de mon fils à La Réunion. Déjà vu une psychologue à La Réunion, deux fois la même, Madame Polo. C'était quand ça, à peu près? C'était il y a mars, février, mars. Mars 2021. Oui. Avant mars 2021, vous n'avez jamais vu de professionnel de psychiatrie. D'accord. Là-bas, vous aviez vu un psychiatre ou pas? Alors, j'ai vu psychologue de l'ASE, Mme Polo, à deux reprises. Après, j'avais commencé le CMP aussi là-bas. J'ai vu une infirmière à deux reprises et un psychiatre. Avant de partir de La Réunion pour. Qu'est-ce qu'il y a de la vie, combien de fois? Une fois. Une fois, vous pouvez souvenir son nom? Nassima Karjania ou un truc comme ça. Mmh. Mais je pourrais retrouver les papiers où il y a marqué son nom. Hein. Et alors, parce que là, je ne comprends pas bien, vous dites que vous avez un peu une obligation par la justice à venir, mais je ne vois pas passer dans ce sens. J'ai pas dit que j'avais une obligation. Enfin, on m'a souvent posé la question, vous voulez voir un psy? Vous voulez voir un psy? Mm-hmm. Je dis, si vous voulez. Mais du coup, c'est un peu bizarre comme processus qui m'a amené voir un psychiatre, parce qu'ils disent qu'ils m'ont obligé, mais ils m'incitent à aller voir. Et quand j'y vais... Enfin, que ce soit à l'époque c'était l'urgence et maintenant c'est ça. Et quand je vois le juge, j'ai dit, mais pourquoi vous êtes allé voir un psy? Elle dit, bah, parce que vous m'avez demandé, enfin, parce que vous m'avez proposé. Et, enfin... Mais du coup, c'est pas les juges qui m'ont proposé, c'est le corps hospitalier à Saint-Denis. D'accord. Après, je me suis expliqué sur toutes les avis que j'ai eues. Et là, qu'est-ce qui fait que vous continuez à venir? J'ai toujours pas mon fils avec moi. D'accord, donc, vous pensez qu'en venant voir un psychiatre ou un... En tout cas, qu'un jour, il y a un papier qui dise que je vais bien, ou que j'ai la tête serein, ou que je suis là. C'est ça, monsieur. C'est pas ça, non? Alors, vous... Vous demandez une expertise psychiatrique. Et vous ne pouvez pas me la fournir? Ah, vous pouvez pas me... Je suis capable de CMP, mais je ne suis pas experte. D'accord. Donc c'est pour ça que je vous dis clairement les choses, pour être honnête. Hein. Nous, on ne va jamais vous fournir un papier comme quoi vous êtes sain de corps et d'esprit, hein, ça n'existe pas. Bah, je ne demande pas à être sain, mais au moins savoir si je suis apte ou pas à m'occuper de mon fils, quoi. Mm-hmm. Enfin... Et encore une fois, et si je pensais être autiste Asperger, par contre, je pourrais me faire passer les tests pour savoir si c'est le cas ou pas. Il y a peut-être un truc qui déconne dans ma tête, je ne sais pas. Je sais pas, parce que l'on ne connaît pas. On peut se mettre. Ma taille commence à se parler. C'est vrai. Ouais, d'accord. Je cherchais un petit peu le contexte et les conditions de votre démarche. Qu'est-ce que je devrais faire alors? Je ne sais pas, parce que ça dépend de votre demande et qu'est-ce que... Si votre demande c'est d'obtenir un document pour que vous êtes sain d'esprit, c'est pas ici que ça se passe. Alors, au moins qu'il y ait un diagnostic qui dise ce que je suis, ce que je suis pas. Ouais, comme un contrôle technique, mais pour un être humain, quoi. Mm-hmm. Alors, on vous dit qu'avant 2021, jamais vous avez eu affaire à un psychiatre, un psychologue, quoi que ce soit. Non, non. D'accord. Donc là, j'ai un peu lu, mais est-ce que vous pouvez me résumer ce qui a fait que effectivement l'hôpital de La Réunion. Bon, alors, prendre dans l'ordre, je me suis isolé de la société, je vivais dans ma maison à La Réunion, en mode ermite, avec le RSA, j'avais... Ça, depuis combien de temps que c'était ça? 2016, depuis 2016. Donc, je suis un peu sorti du travail, des cercles sociaux, tout ça. La Réunion, c'est l'endroit où vous êtes né? Non, je suis né à Paris, j'ai grandi à Tahiti, j'ai fait mon collège en France. On est à Tahiti, je suis à Nice. Et là, vous êtes à la Réunion, tu penses? Là, je suis à La Réunion depuis 2016. D'accord. Donc, vous allez à La Réunion pour vous mettre comme ça en dehors de la société? Non. Mon
père est décédé dans cette maison en 96. J'ai arrêté de cette maison en 2014. Je vivais sur un bateau à Tahiti, en mode c'était comme une épave. Quand j'ai arrêté de la maison, j'ai pas voulu prolonger la rente locative des locataires. Je voulais voir un peu la maison que j'ai arrêtée, que je connaissais pas. Où j'ai vu mon père la dernière fois. Donc c'est là où est mort mon père. En fait, vous n'avez jamais habité dans cette maison-là? J'avais jamais habité dans cette maison-là. Vos parents étaient séparés? Depuis que j'avais 3 ans, oui. D'accord. Mmh. Et donc j'ai vécu là. Ça fait depuis 2011 que je regarde toutes les informations politiques sur Internet. Je suis un peu ce qu'on peut dire un complotiste. Vous vous décrivez comme un complotiste? Ouais, je me décris comme un complotiste. Donc, pour moi, il y a un complot sur la planète, l'humanité, donc il y a tout ça hein, qui fait de moi un fou. Ça fait de moi un fou? Je sais pas. C'est vous, la pro. Bon. On a le droit de penser et avoir un enfant? On a toujours le droit de penser des choses, hein. Et de le dire? Est-ce que le fait de penser ça et de dire ça, ça peut m'enlever mon enfant? Voilà, parce que oui. Je vois pas que ça soit tout à fait que ça. Ah, mais je vais raconter tout ce qui s'est passé. Alors, ça c'est pour les choses. J'ai rencontré Audrey il y a 2 ans. Je lui ai proposé une famille de manière très rapide. Et vous avez quel âge, hein? On a le même âge. D'accord. 33 ans. Et elle vivait à l'Orient depuis longtemps, elle n'avait nulle part où dormir, et j'avais là mis une annonce, parce que moi j'ouvre ma maison depuis que j'y habite un peu à tout le monde, à tous ceux qui avaient besoin. Donc il y a plein de personnes qui sont passées, on m'a vraiment fait payer le loyer, et je suis content de laisser de faire un produit en croix entre toutes les charges qu'il y avait et de répartir avec les personnes qui avaient la maison. Donc on s'est rencontrés. On est amoureux. Ah oui, quand même, parce que vous m'avez pas dit ça tout de suite, vous avez déjà proposé de faire un enfant, une famille, une maman de son amour. Non, j'ai eu le couteau dans la région. D'accord, Et elle, c'est pas vraiment ça. Je crois qu'elle a un peu profité de moi au début, parce que j'avais une maison. Après, elle m'a fait la dentille, un coup elle m'aimait, un coup elle m'aimait pas. Mm-hmm. Et j'ai quand même été l'esprit buté, et j'y suis allé jusqu'au bout. Elle était OK pour avoir un enfant. Après, elle a parlé d'avorter, là, j'ai pété un plomb. Au final, elle a eu un enfant. On n'a pas fait de suivi médical obligatoire des 3 échographies. Donc, c'est moi qui l'ai accouché à la maison. Mm-hmm. Et on l'a montré à des professionnels de la médecine 3 jours après la naissance du petit. Donc, vous n'avez aucun. Des gens étaient au courant de ce procès pour vous? Ah oui, les amis étaient au courant. On était dans un. Parce que jamais je reste dans la prise de notes, il n'y a pas la finesse des choses. Dans le processus, on a fait une échographie à moins de 4 semaines, le médecin n'a pas déclaré, ça s'est mal passé, elle est passée avec Cuillère, il s'appelait docteur Cuillère à la réunion. Et je trouvais qu'il était... Le process n'a pas été déclaré. Mais un médecin à l'hôpital avait fait une échographie, avait vu que le fœtus était bien passé dans la paroi utérine. Mmh. Donc, ensuite, on a essayé d'aller voir un médecin pour un certificat de grossesse. C'était à 6 mois de grossesse, je crois. Et là, ils ont demandé une échographie. On ne voulait pas faire d'échographie. Donc, on n'a pas eu le certificat de grossesse, parce qu'ils ont dit obligatoire et qu'elle ne voulait pas nous le donner sans échographie. À 8 mois, il y a la seule sœur, on avait essayé de contacter pendant toute la grossesse des professionnels qui avaient pu nous assister à domicile, tout ça, mais il n'y en a aucun qui a voulu faire le déplacement parce qu'ils n'étaient pas assurés pour une première grossesse. Mais non, c'est qu'à chaque fois qu'il y a un truc qui monte la feuille de la résonance, je m'en pas. Si on fait la démarche de vouloir être accompagné par un corps médical et qu'ils ne le font pas pour une raison d'assurance parce qu'ils ne veulent pas le faire à domicile parce que c'est une première, ça vous ne l'avez pas noté. Et du coup, ça ne montre pas la démarche qu'on a voulu justement de faire les choses bien en toute sécurité, mais qu'on n'a pas été assisté par un système qui ne le fait pas. Et
comme les gens, ils ont peur de finir en prison parce qu'il se passe un problème, etc., et qu'après on porte plainte contre eux et qu'ils n'ont pas l'assurance pour les cours. Enfin, c'est incroyable. Et en plus, toutes les complications souvent qui arrivent dans les accouchements, c'est dû à cause du corps médical et leur protocole. En tout cas, ils ont fait une erreur médicale sur mon petit, on s'est opposé à une ponction lombaire qu'ils ont ratée à 3 reprises pour après nous dire c'est pas grave de ne pas avoir les résultats de la ponction lombaire. On leur a demandé de le soigner et d'arrêter de faire les prélèvements. Ils nous ont imposé la ponction lombaire. Donc ça, c'est une erreur qui a été constatée. Et ils ont refusé de consigner une décharge en mettant en place le protocole de soins que je demandais. Et quand ils ont raté leur geste médical, ils sont venus nous faire signer une décharge. On n'a pas voulu signer. Et voilà, j'étais pas content, en colère et tout. Alors, à 8 mois, il y a une sage-femme à la retraite qui est venue et qui a. Vous avez laissé jouer quelqu'un, là, Oui, mais elle n'était pas là à l'accouchement. Ah ouais. Mais elle est venue pour voir si tout se passait bien, si l'idée se passait bien pour l'accouchement, tout ça. Avant l'accouchement. Avant l'accouchement. Elle est venue 2 ou 3 semaines avant que j'accouche. Mm-hmm. C'est Audrey qui a provoqué volontairement son accouchement. C'est dingue hein, ce qu'on est capable de faire quand on n'écoute pas le médecin. Ça faisait 2 jours qu'il y avait des petites fuites. On avait peur que ce soit. Enfin, on avait peur, mais comme on a étudié le sujet, elle était enceinte et tout, on a dit si c'est une fuite lente et que le liquide s'enlève et qu'il n'y a pas d'accouchement, c'est pas bon, ça va pour le petit. Il faudrait que, dans le doute, qu'elle accouche, parce que c'est vu que ça commence à couler depuis quelques jours, des petites quantités, pas que ça reste comme ça. Donc elle a regardé sur internet, elle a fait une poussée et ça a déclenché les premières contractions. Vous n'aviez pas trop quelle était la date prévue et tout ça. Voilà, elle a accouché 2 semaines avant le terme. Ah, vous aviez déterminé le terme, vous étiez sûr de vous. Bon, en plus, ce qui est drôle, c'est que la sage-femme, quand elle est venue, elle a calculé le terme avec Sarah et tout, on est tombé le même jour à 2 heures. D'accord. Donc, c'est normal que ça se. C'est la bouche, quoi. Oui, c'était. Alors, vous dites, elle a réussi à déclencher. Ah oui, elle l'a déclenché. Je ne sais pas si elle a déclenché, c'était le terme. Non, c'est 2 semaines avant le terme qu'elle a fait, et elle l'a déclenché parce que c'est elle qui a provoqué la poussée. La première poussée qui a provoqué un crack et une rupture, mais elle l'a fait volontairement. Elle a soufflé avec le doigt de son ventre et elle a fait une poussée volontairement, qui a déclenché tout le processus après. Donc elle a déclenché son accouchement. Alors elle a déchargé tout ça, le liquide allait s'en aller, le petit allait se pousser dedans, elle allait le faire pendant 3 semaines, peut-être qu'il y avait un an. Parfois, il y a des femmes qui ne déclenchent pas leur accouchement parce qu'elles sont passives, et après, du coup, on vous donne des ballons, on demande des fonctions des péridurales qui anesthésient le bas du corps et qui empêchent. Ah, c'est une simple logique, et moi qui. Oui, bon, d'accord, un anesthésien, oui, j'ai écouté beaucoup de personnes dans ma vie. D'accord. Toutes les classes sociales, toutes les coordonnées possibles. J'ai tout ingurgité depuis toujours. Ça fait 10 ans que je bosse pas, je regarde un écran et que j'apprends. Non, mais ça, vous ça n'a pas d'internet. Tout ce que je dis, ça vient de la discussion avec mes oncles, avec ma mère, avec la connaissance plein de médecins. Là, j'ai parlé science toute ma vie avec 15 ans. Oui, on est dans un système où on croit qu'il faut avoir le diplôme pour savoir un truc. Non, c'est pas le mec qui a le diplôme, tu sais quelque chose que. C'était dans la question. C'est une question que je vais demander du temps et d'information. Oui, non, mais je suis un peu sous pression parce que je sais des choses, je ne sais pas vraiment comment je le sais, mais je le sais. Et après, quand je parle à tous les experts, ils me valident, enfin, ils me valident des fois, je me trompe à la marge et tout, je sais me remettre en question.
du coup, j'ai pas le droit de réfléchir pour le bien de mon fils. Et même quand je réfléchis pour le bien de mon fils, on m'impose une autre voie. Quoi.
tous les raisonnements logiques. Et du coup, j'ai fait l'arme d'évoque sur mon fils, ça faisait le truc le plus dangereux. Et en plus, le pire, c'est que quand on voyait le scope avant, il était en dessous de 95 à 92, avec même des fois une belle courbe dans le mur, 90% d'oxygène dans le sang, sur son scope, il a mis la potion magique, en plus, c'est un peu complètement fou, j'ai fait. Et ben voilà, hein, il était à 100 de saturation, il n'a jamais été plus en dessous de 96 après sur la semaine qui a suivi, quoi. Sur les deux heures qui ont suivi, il avait même sur la journée, il a trippé son appétit, c'est passé plein de trucs positifs sur sa santé après que j'ai fait ça, quoi. Donc, et on est sur de la quantité, mais c'est infinitésimal, ça aurait pu être du kérosène, j'ai survécu à ça, j'ai rien mis, quoi. Que je voyais sa saturation également en dessous, qu'il était dopé avec. Parce qu'il lui a fait découvrir le grand bleu et qu'il a développé une infection urinaire sûrement après avoir été plongé tête la première dans un baignoire et trempé dans une eau potentiellement souillée avec des germes qui avaient l'air de venir partout, qui était. Vous avez vérifié ça. Non, moi je suis celui-là, non. Oui, pardon, c'est vrai que, en fait, rendez-vous compte, moi je vis ça depuis un an, depuis 7 mois, j'ai raconté cette histoire mille fois. Mm-hmm. Et la première fois que je l'ai raconté, quelqu'un qui a pris 3 détails, qui a oublié tout ce que j'ai fait, et au final, elle vient avec mon fils et moi, je vois leur bon vouloir. Mais comment vous expliquez que sa maman voit faire des trucs comme ça avec un bébé de quel âge? Je dirais qu'elle avait fumé, il avait 5 jours. 5 jours. Donc, je dirais qu'elle a fait ça parce que je lui racontais l'histoire de mon père qui, quand on était à la piscine, que moi j'avais 2 ou 3 mois et tout, on était à la piscine, qui m'a lâché un coup, et après elle est sous l'eau, qui m'a remonté sur un grand maintien. Ça a duré 2 secondes et il a fallu la tête plongée sous l'eau avec un maintien. Et moi je me suis dit qu'elle a fait ça parce qu'elle a jamais dit pourquoi elle avait fait ça, elle a fait ça parce qu'elle jalouse un peu ma vie et mon histoire avec mon père et qu'elle a voulu lui apprendre et qu'elle était sous l'emprise des stupéfiants, cannabis, etc. et que ça a développé son côté puéril. Puéril, on plus puéril quand on fume le cannabis. Et du coup, mais maintenant, mais selon elle, quand elle parle au juge, et elle a dit ça au juge mercredi dernier, c'est parce qu'elle aurait entendu des voix. Donc mercredi dernier, vous avez vu le juge, hein? On a vu un juge mercredi dernier. Pourquoi? Pour une audience, concernant cet appel, concernant la situation, concernant l'état de nouvelle conscience qui m'empêche de voir mon enfant. Qui c'est qui a initié cette audience? Qui c'est qui a été à l'origine de l'audience? C'est vous? Vous avez demandé des questions? Moi, depuis le 28 avril, j'envoie des courriers, tout ça, pour établir la situation. Et qu'est-ce qu'il en a été? Ils m'ont demandé si je voyais un psy, pourquoi je vais voir un psy, est-ce qu'on m'a prescrit des trucs, est-ce que je suis sous traitement? Voilà ce qu'on me demande, ils font pour un fou. Donc oui, d'accord, je prends un fou, mais ils me disent que j'ai alors comme police. Quand je vais voir un professionnel psychanalyste pour voir ce que je suis. La psychanalyste, c'est pas la psychiatrie, c'est deux choses différentes. D'accord, alors. Vous avez répondu quoi? Vous avez un suivi, un traitement? J'ai dit que j'ai aucun traitement. J'ai dit pourquoi je vais voir un psy? Ben, parce que vous me l'avez demandé. Mais c'est vrai que c'est pas le juge qui m'a demandé. C'est dans tout le protocole. C'est vrai que c'est pas la même question. Moi, on a une question, vous voulez voir un psy? Ben, si vous voulez. Mm-hmm. Donc, je vais voir un psy et après, qu'est-ce que je fais? Oui, je suis ce que je viens de vous dire. Là. Il y a quelqu'un qui ne parlait de mal. Ça fait vous êtes quelqu'un en dehors des normes. Ah oui, c'est sûr. En marge. Après, est-ce que vous êtes tout, j'en sais rien. C'est pas suffisant de se voir. Donc, si je suis en marge, c'est quoi les conséquences? Oh, c'est oui, c'est pas votre domaine. Donc, maintenant que je suis en marge, j'ai plus le droit d'aller vers un enfant si je suis en marge. Après, auprès du juge et auprès, si vous avez un avocat, mais auprès du juge, vous pouvez être faire ça. Vous pouvez demander à bénéficier d'une expertise psychiatrique. Mais encore une fois, moi, je ne suis pas expert psychiatre. D'accord, ouais, je bénéficie d'une expertise. D'ailleurs, c'est vraiment que j'arrive ça depuis le début de ces démarches, de cette procédure-là. Jamais vous avez rencontré quelqu'un qui était soit psychiatre expert, soit psychologue. Expert psychologue, non, jamais. Non, vous êtes le plus haut degré de l'expertise psychiatrique que j'ai rencontré avec Massima.
Quels sont, alors peut-être c'est marqué là. Vous êtes autiste à votre avis? Ça ressemble pas. Hein. Ok, ça ressemble pas. Ça ressemble à quoi? Je sais pas. Alors, on voit qu'il y a eu beaucoup de violence entre la maman et vous à un moment donné, c'est ça? Oui, on se prend la tête. Je suis livré comme un livre. C'est ce que je fais depuis un moment. J'en avais marre des faux semblants. Et donc, je montre aux inconnus, enfin, aux premières personnes, quand ils commencent à partager ma vie, tout ce que je suis. Mm-hmm. Comme ça, je sais si ça passe ou ça passe pas, et on perd pas du temps, quoi. J'ai fait ça avec elle. D'accord. Et très rapidement, j'ai vu en face de moi quelqu'un qui changeait de vie de tout au tout très rapidement. Mais avec une certaine régularité, quand même. Et du coup, ça a provoqué des situations ubuesques où moi je m'engage avec une femme pour vivre. Elle fait la gentille, du coup moi je fais les déplacements, les marchés, je suis général tout ça. Après, elle me dit qu'elle ressent rien, je me mets en colère, je tape dans un mur. Et là, je fais taper dans un mur, ça fait de moi quelqu'un de violent. Je le droit de taper dans un mur. Et après, elle redevient gentille, donc je me recalme. Et après, elle m'a fallu des situations où pendant 10 jours, on était sous un toit, elle me dire qu'elle ne m'aimait pas, et que ça arrive souvent, et que je vais en mettre, tout ça. Et après, elle retouche avec moi. Et je veux un enfant avec toi, et après, 3 mois après, une fois qu'elle tombe enceinte, elle parle de la banquette. Donc voilà, c'est avec Audrey. Malgré tout, vous restez avec elle, malgré ses changements et ses décisions. Allez, c'est surtout quand. Moi, je suis plus avec elle quand elle me l'est, et quand elle me rouvre les bras, je suis avec elle. Là. Moi, j'ai l'élan vers elle. Je vois plusieurs fois marqué là que vous consommez du zamal. Non, c'est du cannabis. Du cannabis, pourquoi on la Parce qu'on est à la Réunion. À la Réunion, c'est du zamal, d'accord. Vous étiez consommateurs tous les deux. Oui. Quelle quantité? Ouais, ça a été surestimé parce qu'on ne fumait pas de la bonne qualité, c'était plus de la taille, voire même pratiquement comme du CBD. Voilà, hein. C'est pas une histoire de force, c'est pas la même molécule, hein, le CBD et le cannabis. Aussi, c'est pas au même endroit, c'est pas le même aussi, chose. Il y a du THC dans le CBD. Donc, ça va avoir. Il y a du THC dans le CBD, 0,2%. Au lieu non, c'est pas tout à fait comme ça. C'est que ce qui est légal et autorisé dans notre pays, c'est qu'il n'y ait pas plus de 30% de THC dans le CBD. Oui, donc il peut y avoir du CBD qui n'a pas du tout de THC. Et s'il n'est pas en feuilles ou en fleurs, il n'y a que du CBD. Il n'y a pas du THC dedans. Bon, d'accord. C'est pour ça qu'il y a marqué sur les trucs avant de CBD, un pourcentage de THC minimum, ouais. Donc ça ne touche jamais zéro. Ça touche jamais zéro, donc la molécule est à peu près la même, on retient que c'est la même race de sang. Enfin, c'est une race de sang, on est une sans. Et lui, il a consommé de quelle façon? Bon, avec du tabac. D'accord. Et en plus, le CBD, c'est interdit de le fumer, et à marquer, c'est pour faire lutter. On est sur un raisonnement encore qui est malhonnête, qui dit ça en gros, c'est un peu comme le droit du Covid. Expliquer pourquoi le CBD est légal et pas, c'est juste. C'est un gros foutant. C'est le cannabinoïde, et l'autre c'est le CBD, c'est le cannabinoïde, je sais pas quoi, c'est pas du tout la même chose. Chimiquement, c'est pas du tout le même produit. Ah, c'est pas la même chose. Eh bien, non. Donc t'avais pas la même façon d'y enregistrer avant. Mais il en reste un petit peu, des tétra cannabinoïdes, c'est un même si on a mis le GM à la fin. Quand vous avez envie, il n'y en a pas. Donc vous continuez à consommer là? Bah non. Non, depuis quand? J'ai arrêté depuis ces histoires, j'ai arrêté. D'accord. Vous consommez autre chose? J'ai augmenté ma consommation de bière, c'est vrai. De bière? Ouais. C'est-à-dire que ça fait quoi? C'est pas énorme. En plus, une bière de temps en temps, une 8-6 le soir. Alors, autour de vous, il y a qui? Les gens qui sont pas forcément présents physiquement, mais vous parlez de votre mère, ça. Oh, ma mère, elle est compatible. Votre mère, elle habite là. C'est ici.
Elle a quel âge? 60 ans. Elle est en activité toujours? Oui. Elle fait quoi? Elle est dans l'immobilier. Vous avez des frères et sœurs? Non. Fils unique? Oui. Vous avez des grands-parents? Tous décédés à part ma grand-mère qui reste dans un état de Bordeaux. Et là, c'est pas ça. Mon père. Un peu proche de vous ou pas, vous arrêtez un petit peu tout seul là. Ah oui, là je suis tout seul. Vous êtes tout seul. Là physiquement ici, j'ai rencontré les gens qui m'ont permis de dormir. Donc à côté de leur maison de mission de Montchard, maintenant j'ai un camping-car, dans un camping-car sur un terrain, on va dire boisé, semi-prairie, semi-boisé. J'attends de voir pour trouver un appartement, mais c'est compliqué quand on n'a pas de CDI d'avoir un appartement dans ce monde apparemment. Vous voulez de quoi? Ben depuis 6 mois, je vis de petits boulots, de l'aide de Mimos qui habite dans ma maison en ce moment et que tous les mois, de temps en temps, me donne un petit billet. Votre maison à la Réunion que vous avez gardée, il y a des gens qui vivent dedans. Il y a Mimos qui vit dedans. D'accord, Mimos, c'est un ami. C'est la maman de Damer. Balan, je connaissais les Damer, Tudeps, Zoul et maman Ouais, hein, tiens, c'est un voilà. C'est 4 ans de la Réunion. D'accord. Donc là, il y a des petits boulots qui vous rapportent un peu de sous. Oh, bon, là, c'est le zéro. Normalement, je vais avoir le rappel de la CAF à la fin. Vous êtes bien fait de quoi? Bah, du RSA que je n'ai pas touché depuis RSA. Avril. Et puis, cette histoire, je suis parti de la Réunion. On s'est déclaré en couple, dit qu'on était plus un couple parce que pour éviter de toucher moins par rapport au RSA, comme j'avais trouvé un boulot. Et là, ce dossier RSA, vous avez fait ici? À Montpont. Dans quel genre d'endroit? Non, c'est de la CAF. Non, c'est de la CAF, ça, de Montpont. Montpont, c'est dans le 24, hein? Eh oui, c'est vrai. C'est vrai qu'entre le moment où j'ai fait un rendez-vous avec vous et maintenant. Voilà. Là, votre terrain, il est nul, hein? Il est à côté d'ici. Voilà. C'est un montage. Ouais, c'est dans 24 ou il est dans 33? C'est plus que 24 que 33. Ah, c'est ça. Donc, oui. C'est la situation est sexualisée. Oui, je sais, j'aurais trop dit. Ouais, bon, on dit que j'habite dans le coin, c'est bon, quand c'est le temps que j'ai mis à avoir un site. En plus, il y a un hôpital psychiatrique là-bas, ils veulent même pas venir. Ils veulent même pas venir. Comment ça, vous avez fait la mort? Bah ouais, j'y suis allé et ils m'ont dit médecin présent. Ils sont pas gens qui n'ont pas médecin présent. Et quand j'appelle un médecin, il dit je prends plus de patients. Non, mais c'est serpent qui se mord la queue, le système. Et c'est moi fou. En plus, on peut même pas dire si je suis fou ou pas fou. On n'a pas d'examen complémentaire hein, pour dire ça. Hein. On va pas vous faire un truc de sang ou une imagerie ou enfin. Ah bah oui. Et hop, il y a un diagnostic qui sort. C'est pratique, hein. Ouais. Parce que là, c'est ce que j'ai dit, bon, c'est ce que je pense et tout, mais ça fait de moi quoi? Je suis pathologique. J'en sais rien. Moi, je vous l'ai dit dès le début, si votre demande c'est d'avoir la carte qui vous permet d'eux, ben non, c'est pas notre job. Non, j'aimerais bien savoir si j'ai besoin d'aller mieux ou pas. Après, peut-être c'est votre question du rapport effectivement à la société, aux règles, aux choses qu'on vous demande de respecter. Est-ce que vous êtes en dehors des clous tout à fait? Un petit peu, je sais pas. En dehors des clous, reste, qu'est-ce que je fais? Ah oui, ben oui, en plus je me suis engagé à plus jamais refaire prendre de potions magiques à mon fils, respecter l'ordre médical et tout. Mm-hmm. Mais ça, c'est quand j'étais avec, quand j'ai vu Nassim à Tazania, on avait une discussion sur le système. D'accord. Et j'ai compris. Et qu'en effet, c'est une fille qui est terrible.
de vouloir faire le rebelle et tout, et que maintenant, bah, il faut bien accepter le système, même si on le voit en retard par rapport aux Français. Mm-hmm. Donc j'ai déjà fait toute cette démarche. D'accord, mais je ne peux pas vous répondre. Pourquoi, quand vous demandez à avoir au moins un droit de visite, c'est, vous avez pas ça, ça. Bah, on doit attendre la délibération des éléments. Là, par rapport à ce qui est passé là. Voilà. Mais il a demandé s'il y a un droit de visite. Exactement, un droit d'arrêter que mon beau-père me vole mon gamin, et si la justice a besoin d'un tiers de confiance encore plus longtemps, donc elle le transfère à ma mère à Tahiti comme elle s'était engagée à la réunion à le faire, quoi. C'est ça, elle. Ben, la justice. D'accord. Mm-hmm. Enfin, Stéphanie Blain-Dumochet a clairement dit à la réunion que si ça se passait pas bien à Mérignac, il y aurait une possibilité de transférer le cabinet de confiance de Mérignac à Tahiti à ma mère, quoi. Ça se passe pas bien? Ben, ses parents, ils ont renié tous leurs engagements, ils essaient de me faire passer pour un fou, ils m'empêchent de voir mon petit dans les conditions décentes, je dois me démerder à l'extérieur. Enfin, alors qu'il y avait une organisation pour la visite, vous avez des droits de bureau de visite, comment c'était? Texto, hein. Mon beau-père qui s'est signé le papier, moi l'autorisant à partir du territoire avec mon fils, tu pourras le voir aussi souvent que tu voudras. Au juge, à ma mère, à moi, au monde entier, les médecins. Oui, super, hein. Ouais, mais c'est pas mal, mais en fait, il parle comme ça, il trahit le père de son petit-fils et il croit qu'il n'y aura pas de retombées plus tard. Bah, à vie, je lui en voudrais ça, il m'a volé les 6 premiers mois de mon fils, les 1 an, les 2 ans, et je sais pas combien d'années j'aurais pour trouver une vie normale avec lui, quoi. Enfin. Et oui, ça me démange, la claque dans sa bouche. Que vous connaissiez tant de, avant de. Non, je l'ai connu, il est arrivé à la Réunion, je l'avais jamais vu. Aux premières crises d'Audrey à la maison, j'avais appelé ses parents en disant votre fille, faut que quelqu'un la prenne en main, elle est hystérique, tout ça. Ils n'ont pas bougé leur cul, ils ont bougé leur cul quand c'est parti en couille avec l'administration, que Audrey aussi est partie en mode hystérique quand on nous a imposé les choses au niveau médical, etc. Et arrivé à la réunion, il a fait le mec, oh t'es un mec bien et tout, et blabla, et blabla, et blabla. Il m'a bien mis à l'envers. Vous parlez jamais de la grand-mère Pascal. Je sais pas comment elle s'appelle, moi. Ouais, Pascal. Ben, elle, c'est. À mon avis, elle, c'est la petite voix de vipère dans le Nord, là, qui incite Philippe à agir comme un connard, quoi. Il y en a qui. Oui, désolé si j'ai un franc-parler qui est blessant, sauf s'il me reproche d'être trop vulgaire quand je suis pas content. C'est-à-dire que ça ne montre pas que vous êtes en capacité de gérer vos émotions. Oui, en effet, j'ai un problème. J'ai un trop plein d'émotions et des fois, j'ai besoin que ça sorte. Ouais, mais pour apprendre à ne pas le faire devant les gens qui ont. Oui, c'est vrai. Les décisions à prendre. Bon, d'accord. Pas aller dans votre sens, vous voyez. Ah oui, donc pour parler vulgairement, je vais leur sucer la bite à tous ces salopes. Il y a peut-être un juste milieu entre les deux. Mais il est juste là, en mode désolé et compagnie, etc. Va voir un juge pour voir ton fils, la réponse a été. Mais quel genre de monstre c'est, quoi. Ils prennent mon gamin et ils espèrent que je vais pas. Mais ça ferait quoi de moi? D'accord, il faut que je prenne ce mois et j'attends 6 mois, 1 an, en ayant un langage bien châtié, bien poli. C'est pas normal que je ressente ces émotions. Ils me volent mon gamin. Enfin, pardon. Alors, vous avez le droit de ressentir des émotions, vous avez le droit de les exprimer, mais si vous montrez que vous n'êtes pas maître de vos émotions au moment où c'est des moments clés pour vous, ça va pas faire. C'est vraiment un monde où on veut vraiment tuer la nature humaine, hein, dans ce monde-là. Là, vous voyez, ce genre de généralisation, ça vous apporte rien, et c'est pas ce qui va faire évoluer votre situation. C'est vrai, il faudrait que je sois un robot passif. Et la preuve en est faite que si on est un être émotionnel, un être avec du cœur, un être authentique, ben, on a des emmerdes dans ce monde. Parce qu'il faut apprendre à contrôler ses émotions, à être impassible, qu'on soit en mode. Ah, c'est un peu comme si on voulait imposer la philosophie bouddhiste à la planète, quoi. Et si jamais t'es pas un bouddhiste, t'es pas Bouddha, j'en prends ton gamin, parce que tu sais pas contrôler tes émotions. On est fini, c'est tout bêtis. Enfin,
droit d'assumer ses émotions à plein poumon. On a des droits, on a des devoirs, voilà. Par rapport à l'histoire avec l'histoire d'amour avec ta maman, ou de quoi, vous en êtes où? Bon, ben, juste avant le jugement, elle était gentille avec moi, on a dit nous, on a du machin, oui, on va à la Tahiti. Devant le juge, elle n'a pas dit qu'elle était prête à venir à Tahiti avec moi, elle a dit qu'elle voulait rentrer à la Réunion. Et le juge, il n'a pas compris pourquoi moi je la considérais comme ma femme et qu'elle, dans sa tête, on était séparés. Et que Audrey, elle n'a pas assumé qu'on est ensemble parce qu'elle ne veut pas le dire, qu'on est séparés à côté. Votre avis à vous et votre. J'ai fait un enfant avec elle, moi je crois en la famille. Elle sait très bien que j'ai fait un enfant pour avoir une famille monoparentale avec des gardes alternées et aussi un calendrier horaire pour la garde des enfants. Aussi, à un moment dans ses messages, elle dit qu'elle espère qu'un jour on arrivera à être stable tous les trois, etc. Vous continuez à communiquer avec elle et... Ah oui, on s'écrit tous les jours. Tous les jours, d'accord. Mm-hmm. Et donc vous considérez que c'est toujours votre compagnon, c'est ça? Ah oui. Bah, je dis, hein, tu veux me quitter, tu me quittes, tu te casses, mais tu veux pas mon fils avec toi. Prends ta liberté, prends la chaîne, mon enfant. Pas stable,
un beau-père avec qui on passe du truc, tu pourras le voir aussi souvent que tu veux, pourquoi pas que tu apprennes le Windows pour que je te coopte dans ma boîte pour que tu aies un CDI. Le plus important, c'est que vous soyez réunis tous les trois. Je sors de chez moi, j'appelle les flics pour intrusion si tu passes dans le jardin. Mais non, c'est moi qui vois les psy, mais c'est eux les tarés. Votre compagne est passée de se voir un psychiatre aussi ? Ouais, mais c'est ça qui m'en fout. Elle a vu un psychologue à plusieurs reprises. Et c'est ça. J'ai l'impression que la psychanalyse, elle recherche faire des êtres humains qui n'expriment plus d'émotions. Pardon, ça c'est mes abus de langage. Je ne sais pas c'est quoi non plus, les gens pour le psychiatre et psychanalyse. Mais dès qu'on rentre dans la psychologie d'une personne et tout, et du soin apporté, un traitement, je ne sais pas quoi, apparemment l'objectif c'est d'annihiler toute forme d'émotion pour avoir l'individu. Non, je vous ai expliqué, il faut savoir comment on exprime ses émotions et à qui on le fait, auprès de qui on le fait. Et à quel moment ? Il faut les contrôler. Il y a plusieurs moments dans votre vie, il y a plusieurs personnes que vous avez en face de vous. Si auprès du juge, vous dites n'importe quoi, n'importe comment, ça ne le fait pas. C'est évident. Ouais, c'est le juge qui dit n'importe quoi, etc. Enfin, qu'est-ce que j'ai dit n'importe quoi devant le juge ? Je ne sais rien, moi je ne sais pas. Si vous exprimez les choses comme vous allez le faire ici, mais si vous avez le droit de le faire, mais dans un bureau de Ah, j'ai pas le droit de dire ce que j'ai dit là devant le juge. Enfin, en tout cas, ça va faire de ça. En tous les cas, il faut que vous exprimiez de façon différente. Ah oui, la forme est bien plus importante que le fond. Les deux sont importants. Non, c'est faux. Mais la forme a aussi une importance. La forme, c'est ce qui impacte sur la personne qui est en face. Peu importe la forme grossière, si le fond est pur, il devrait être perçu, peu importe les regards, si j'étais un juge réellement compétent. Si à chaque fois il faut brosser en temps de poil, on peut faire même passer des fonds de merde. C'est d'ailleurs comme ça que ça se passe, parce que tous les pourris et tout sont présentés par de beaux avocats, bien propres sur eux, avec des belles formes, pour faire passer tous leurs fonds de merde. Voilà. Et quand ils ont une belle forme, ça passe. La seule qui compte dans ce monde, c'est la forme. D'autant plus, si vous, vous avez discuté, si vous vous exprimez calmement à certains moments. L'avocat, il va être là pour représenter vos droits, vos souhaits, de façon attendue par le juge. Sur ce, on va s'arrêter là. Merci, Noël, de perdre du temps pour ce bon jour. De vous avoir fait perdre du temps ? Bah ouais, je ne sais pas si je rentre dans votre. Dans votre champ de compétences, aussi ma visite ici. J'ai bien fait de venir. Bah, je ne sais pas, c'est vous qui pouvez le dire. Et puis après, une visite, comme je vous ai dit dès le début, c'est un peu court. Pardon. Moi, il n'y a pas de choses chose qui m'inquiète outre mesure sur une décompensation psychiatrique. Il y a des éléments dont vous avez parlé, on voit effectivement que vous êtes en dehors des normes. Après, est-ce que ça vous dessert ou pas ? Si ça vous dessert, est-ce que vous voulez que ça continue comme ça ? Est-ce que vous voulez que ça se modifie ? Personne ne va le décider à votre place. Quels sont les avantages et les inconvénients pour vous ? On reprend un rendez-vous ici, à oui, votre avis possible, ou... C'est possible, si vous le souhaitez, on peut prendre un rendez-vous. Ah si, je le souhaite. Et à votre avis, ça m'aiderait ? Je ne peux pas le dire à votre place. Je pense qu'il y a des choses que vous avez besoin d'exprimer, un peu. Mais ça, c'est... Bah, je ne suis pas tout puissante pour vous dire ça. Si vous voulez, je vous redonne un rendez-vous. Si vous ne le souhaitez pas, je ne vous redonne pas. Est-ce que vous souhaitiez revoir la infirmière que vous avez vue ? Oui, j'aime bien. En plus, on a bien sympathisé au téléphone. Parce qu'on est bien mort. Non, non mais du coup, où est-ce que je vais ici ? Je veux bien repasser tout le temps. Et qu'est-ce qui va évoluer dans ma tête là ? Enfin, c'est à peu près moi qui décide tout ça, d'accord ? Je sais pas. J'ai besoin qu'on me dise, hein, je vais voir un médecin de ma tête pour savoir justement si je dois le revoir ou pas. Et si c'est le médecin qui me dit, c'est à moi de le savoir. Non, c'est un truc qui fait ça dans ma tête. Je vous redonne
donne un rendez-vous, après, c'est vous qui allez dire « Ok, je vais vous demander ce rendez-vous » ou « Non, ça ne correspond pas à ce que je suis venu chercher » parce qu'il y avait un petit, quand même, désaccord Ce que je suis venu chercher, c'est vraiment savoir ce qu'il y a dans ma tête, le plus honnêtement possible, le plus en profondeur possible, pour justement présenter à toutes les personnes qui... Regardez, j'ai vu un site. Pourquoi vous l'avez vu? Parce que des fois, je me suis mis des bennes dans la tête. Et alors? Ouais, c'est ça, on n'a pas le droit de se mettre des coups dans la tête. C'est pas une histoire de moi, c'est une histoire de qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça représente, à quoi ça vous sert. Ah bah, c'est un exutoire, c'est oh, il y a un trop-plein, il faut canaliser, il faut que ça sorte, et pas que ça fasse le blessure ailleurs, donc je fais sur moi. Peut-être les exutoires, vous pouvez les trouver dans d'autres moyens, d'autres manières de faire que de vous faire du mal. En plus, c'est votre interprétation, de faire du mal, ça renforce le corps. Allez, sur ce, je vous donne un rendez-vous. Si jamais vous ne me suivez pas, vous le dites. Oui, j'ai attendu des mois. Si vous voulez un rendez-vous avec l'infirmière, pour vous passer au bureau en face, l'entrée là-bas, pour en face le secrétariat, le bureau infirmière, pour qu'elle vous en redonne un. Ou à moins qu'elle vous en ait prévu un. Non, mais elle m'appelle régulièrement, d'accord. De toute façon. Donc, ouais. Et là, vous vous véhiculez comment, là? En voiture. D'accord. Donc je suis pas notice, parce que je me croyais autiste à un moment, donc vous dites que je suis pas notiste de ça, bien. Je ne connais pas assez, hein, mais je ne connais pas assez, mais un autiste tout court, non, ça c'est sûr. Ah non, je sais que je suis pas un autiste tout court, mais il y en a qui parlent normalement, qui disent autiste, oui. Et c'est vrai que j'avais des points communs avec ça. Mais... Alors on en reparlera le prochain coup. Après, hein, ah. Je peux concevoir que je me suis trompé, que je suis pas un autiste de ça, mais du coup, qu'est-ce que je suis? Je suis un calame narcissique, elle a pas vu? Je sais pas. Parce que quand on s'est disputé, elle m'a souvent dit je suis un père narcissique. Et je pense que c'est elle la perverse. C'est ça que je lui ai dit. Je crois que même pas que ça existe, on a tous une part de narcisse, etc. Mais ça, c'est un truc sorti pour les petites blondes qui veulent se plaindre de leur mec. Et t'as sur YouTube des nanas qui disent ah, pervers narcissique. Mais pourquoi pas hein, c'est vrai que des fois, je suis pas gentil. Hein, mais je me voyais pas pervers narcissique. Aspirer l'autre et tout, je suis pour des systèmes à plusieurs, mais équilibrés, et pas que des équipes l'un vers l'autre. C'est pour ça que je ne m'en voyais pas. C'est un narcissique, apparemment, c'est celui qui prend tout vers lui. Mais ça, c'est Audrey, ça. Je ne sais pas si on est pour ça. Perverse, narcissique. Alors. Schizophrène ? Non, je me souviens de toutes mes personnalités. Ah non, attention, schizophrène, c'est pas une personnalité, mais c'est rien à voir. C'est le cinéma américain, ça n'existe pas dans les nosographies. D'accord. Français. Ah non, qu'est-ce que je trouverais comme une. C'est quoi schizophrène ? Oh, c'est compliqué, je vais dire que maintenant, parce que je suis déjà en contact avec toute la famille. Premier rendez-vous possible, c'est le 30 novembre. C'est parti. Demain. Le matin ou sur l'après-midi? Bon, l'après-midi. L'après-midi, je peux vous proposer 14h20, ça vous va? Ça va. Vous voulez que je vous l'écrive sur un message? Allez. Merci, au revoir.